Bonjour, nous allons dans cette vidéo apprendre à analyser une dette moyenne simple à l'aide du logiciel SPSS. La variable qui nous intéresse, c'est la variable montant qui indique le montant moyen des dépenses annoncées par des enquêtés au cours d'une enquête de marketing. Donc, pour cela, nous utilisons la procédure SPSS analyse, statistique descriptive. La variable qui m'intéresse, c'est la variable montant. Je veux calculer pour cette variable la moyenne, le cas, l'écart type, le minimum et le maximum. Donc, je vais poursuivre. Et OK. J'obtiens le tableau suivant fourni par SPSS. Alors, je remarque sur le tableau, sur 400 individus interrogés, la moyenne des dépenses est de 153,51 euros avec un écart type de 91,147. Alors, est-ce que cette dépense moyenne est statistiquement significative? Pour cela, je fais un test simple de moyenne en faisant donc analyse, comparer de moyenne, moyenne test sur un échantillon unique. Ma variable, c'est la variable montant. Je veux savoir si ce montant et si cette variable donne des résultats significativement différents de 0. Ici, testons la variable du test, donc c'est un test unilatéral à 0. C'est donc OK. Et j'obtiens le même montant, la moyenne de 153,51, avec un écart type de 91,147. Et je remarque donc que ce montant est très significatif et avec un intervalle de confiance à 5% qui se situe entre 144 et 162. Donc, autrement dit, le vrai montant de la dépense moyenne de ma population est compris entre 144 euros et 162 euros. Nous avons donc réalisé un exemple simple d'étude d'une moyenne à travers un test simple de moyenne. Merci et à bientôt.